Juste après son journal de 13h, France 2 ne diffusera pas Ça commence aujourd'hui ce mardi 16 avril 2024. La chaîne publique a décidé de déprogrammer le magazine de Faustine Bollaert au profit d'une édition spéciale. Julia Vignali en sera également chamboulée avec affaires conclues en fin d'après-midi. Depuis la rentrée 2017, France 2 mise sur Ça commence aujourd'hui et affaires conclues pour occuper ses téléspectateurs l'après-midi. La chaîne publique, qui a pris une décision radicale contre Philippe Cave-Rivière, bouleversera sa grille des programmes ce mardi 16 avril. Un hommage de la France aux résistants du Vercors. En 2024, la France célèbre les 80 ans du débarquement et de la libération. De nombreuses commémorations sont organisées tout au long de l'année. Ce mardi 16 avril, la nation rendra hommage aux résistants du Vercors, où de nombreux Français ont succombé à un assaut allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Cet hommage, qui sera présidé par Emmanuel Macron, sera à suivre sur France 2. Pour couvrir l'événement, la chaîne publique proposera une édition spéciale. Celle-ci sera présentée par Jean-Baptiste Marteau dans la foulée du 13h où Nathanaël de Rinquesin poursuivra son intérim de Julien Bugier, soit dès 13h55. En plateau, l'animateur de la matinale de France Info sera accompagné de Nathalie Saint-Cricq. Le duo recevra Jean-Yves Le Naour, historien, Francis Gainsbourger, écrivain dont la famille a été cachée pendant la guerre. Philippe Saint-André, ancien sélectionneur du 15 de France dont le grand-père était maquisard, et Gilles Emprin, historien au musée de la Résistance de Grenoble. France 2 déprogramme Faustine Bollaert, Julia Vignali perd un épisode. Afin de proposer cette édition spéciale, France 2 a décidé de se séparer d'un de ses programmes quotidiens. Ça commence aujourd'hui, le magazine où Faustine Bollaert est apparue très mal à l'aise face à des invités, sera entièrement déprogrammé. De son côté, Affaires conclues perdra un épisode. L'émission de Brocante, dont la présentation a été reprise par Julia Vignali à la rentrée, sera uniquement diffusée entre 17h et 17h50. Son spin-off, La vie des objets, prendra le relais pour s'étendre jusqu'au début de Tout le monde a son mot à dire, le jeu d'Olivier Mine et Sidonie Bonnec, à 18h. France 2 reprendra la programmation habituelle de ses émissions de l'après-midi le mercredi 17 avril. Un double épisode de Ça commence aujourd'hui, suivi de deux épisodes d'Affaires conclues, seront à suivre à partir de 13h55.